Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mes chers amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, là, ici et là-bas, ici et maintenant. Vous êtes sur 95 FM, redis ici maintenant. David Abbasi est avec vous, comme tous les lundis, de 23h jusqu'à 1h du matin. Et chaque dernier samedi du mois aussi. Voilà, on peut dire France Opinion, si vous voulez. Est-ce que nous sommes en France, vous êtes des Français? Et vous donnez vos avis, vous parlez, vous vous exprimez. Nous sommes humains, humanistes, et on respecte beaucoup l'humanisme, on est antiraciste, on est humain, voilà. Mais il ne faut pas quand même oublier que depuis 1400 ans, les grandes civilisations, écoutez bien, les grandes civilisations, qu'ils soient égyptiennes, perses, phéniciennes, babyloniennes, assyriennes, anatoliennes, carthaginoises, Carthage, vous connaissez, Nord-Afrique, Tunisie, ont été tombées par les guerriers des péninsules d'Arabie. Les grandes civilisations. 7000, 5000, 4000, 3500 ans de civilisation. Depuis 1400 ans. Et on ne voit rien de tout, de toute civilisation détruite. Et même aujourd'hui, le peuple, comme les Égyptiens, comme les Tunisiens, comme les Libanais, Syriens, Irakiens, Perses, n'ont pas le droit de parler de leur ancienneté, de leur civilisation pré-islamiste. Alors, ces civilisations ont tombé comment? Comment? Avec la violence, terreur. Et le plus important, c'est le double langage. Et voilà, en coupant les têtes. C'est-à-dire une menace militaire présente dans toutes ces grandes civilisations pour changer la langue, changer la religion. Et détruit l'ancienne civilisation. C'est l'histoire. Ce n'est pas moi. C'est Ibn Khaldoun, Ibn Hisham, Tabari, Ibn Kathir. C'est des grands historiens qui ont écrit l'histoire page par page, consultable actuellement sur l'Internet, dans toutes les langues. Et de l'autre côté, en donnant la promesse du paradis et 72 vierges et des rivières d'eau altérées, des rivières de lait, des rivières de vin, des rivières de miel. Et le plus important, n'oubliez pas, 72 vierges. Moi, David Abbasi, mes chers amis, je le sais très bien que les intégristes musulmans ne supporte pas que nous défendions et défendons les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les kurdes, les arméniens et d'autres populations qui pendant tous ces siècles-là étaient victimes de massacres, de toutes les révoltes islamistes. À ce jour, mes chers amis. Et de temps en temps, ces intégristes, ils profitent de l'antenne libre proposée par nous. Ils composent le numéro et ils viennent sur l'antenne pour nous terroriser, pour terroriser. Moi, personnellement, je parle de moi-même, David Abbasi. Intimidé, menacé, diffamé, mes chers amis, diffamation, vous êtes au courant. Diffamé. Et toujours en critiquant l'Israël et les Juifs. On ne parle pas d'Israël, on ne parle pas de Juifs. Mais tout un coup, il sort ça. Ah, David, toi, ah, David. Vous avez pu constater plusieurs fois, jamais on n'a pas commencé nos émissions par parler d'Israël ni de Juifs, mais oh, il vient tout un coup, il dit ah, je viens de prendre l'antenne, je n'ai pas écouté avant qu'est-ce qui se passait, mais David, oh. Même si nous n'avons pas parlé
de l'islam, par exemple, ou d'Israël, ou des Juifs. Oh, ces antéchrists, ils viennent. Et ils inventent des paroles que jamais, par exemple, on n'a pas prononcées dans l'émission en cours, pour détourner le but de notre émission. C'est leur but. Mais soyez sûrs et certains, on ne va pas tomber dans vos pièges. On ne va pas tomber dans vos pièges, mes chers amis, parce que vous êtes mes amis aussi, je vous respecte toutes et tous. Vous le donnez la peine de m'appeler, même de parler, même de temps en temps, votre couscous. Il est en train de brûler. Maman, elle est obligée d'obéir son fils pour m'appeler. La personne qui ne sait pas ni lire ni écrire, il ne sait pas même pas le Coran, l'islam, l'Israël, juif, chrétien, comment ça s'écrit. Il vient seulement pour insulter David. Ça on a assez. En l'antenne libre, quand on dit l'antenne libre, c'est pour les gens qui savent au moins parler, comme la majorité. Nous défendons les droits de l'homme et nous sommes antiracistes. Antiracistes, mes chers amis, promeut une société, mes chers amis, très très jolie et belle, dans laquelle les individus ne subissent pas discrimination sur la base de leur ethnie. Donc, la définition peut varier, mes chers amis. Alors, une chose que je vais vous dire ce soir, juste au départ de mon émission, que je vais même le répéter, peut-être tous les jours, mes chers amis. Les musulmans doivent dénoncer les assassinats, les barbaries commis au nom de l'islam chaque jour dans n'importe où dans ce monde, qu'il soit le monde musulman, le monde d'Occident, et j'en sais pas où. Après chaque attentat préparé par le groupe État islamique et n'importe quel acte terroriste commis et revendiqué, mes chers amis, par les islamistes, la question qui revient, c'est toujours cette question, ça revient, mes chers amis, personne ne le répondait pas, pourquoi les musulmans ne descendent-ils pas dans la rue pour dénoncer les attaques terroristes de n'importe quelle sorte, de n'importe quel genre, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays? Nous n'avons jamais vu ça. Vous vivez dans un pays libre, dans les pays libres en Occident, en Europe, vous pouvez manifester. Jamais on n'a pas vu cette manifestation. Les musulmans doivent dénoncer les musulmans qui se considèrent contre les islamistes politiques, les islamistes terroristes. Ils doivent dénoncer les attentats et se rassembler, mes chers amis, massivement contre les terroristes. Vous ne faites pas ça. Les Français musulmans doivent dire clairement qu'ils n'ont rien à voir avec ces barbaries de l'État islamiste et des mouvements terroristes islamistes qui chaque jour fait tomber des victimes innocentes de l'Occident, comme ils ont fait dès le commencement depuis 1400 ans. Depuis 1400 ans, la guerre que vous voyez actuellement à Yémen avec l'Arabie Saoudite, cette guerre, ça existe depuis 1300 ans. C'est les zaydistes, ils ne sont pas chiites, ils disent chiites, ils ne sont pas chiites. C'est les zaydistes,
descendant, quatrième descendant de prophète de l'islam. Il était assassiné, massacré, il y a déjà 1200 ans, 80, 1200 ans, 80, 1280 ans. Il était massacré en Arabie Saoudite à l'époque. On l'avait coupé la tête, pendu au départ, tatati, tatata. Puis, il y a un mouvement au nom de Zayd. Et on considère le Zayd comme Che Guevara. Et Houthi en Yémen, c'est-à-dire les Zaydis en Yémen, ce sont les fidèles de M. Zayd, quatrième descendant de prophète d'Islam, qui sont en guerre. Actuellement, c'est les Wahhabites, mais avant, c'était d'autres mouvements. Ibn Hisham, à l'époque, il était calife, il y a déjà 1300 ans. Cette guerre existe depuis des années, depuis 1300 ans. Et vous le saviez? Vous le saviez? Non? Personne ne le sait pas. La semaine dernière, j'étais dans une réunion avec plusieurs ministres, sénateurs, l'ancien ministre, les intellectuels, les généraux. Ils ne connaissent pas l'histoire eux-mêmes non plus. Ils pensent que c'est une guerre qui a commencé avec Abdullah Saleh, Mohamed Ali Abdullah Saleh, qu'il voulait mettre son fils en Yémen à la place, à sa place quand il voulait partir. Non! C'est une guerre idéologique entre les mouvements et tendances musulmanes qui existent depuis des années. Si vous voyez les chiites avec Sunnites, ils sont en train de faire les guerres. Puisque Hossein, le descendant de Mahomet, deuxième descendant de Mahomet, a été assassiné en Irak il y a 1350 ans. Par les musulmans même. Après, une partie était pour, l'autre partie était contre. Ces deux parties, depuis 1350 ans, ils sont en train de faire la guerre. Et maintenant, pétrole, tout ça, ça rajoute, mais c'est une guerre familiale qui existe depuis des années. Si vous voyez Nord-Afrique, Fatimiyyin, comme monsieur le roi Mohamed VI, Mohamed, c'est un type bien. Moi, je l'aime, cette personne-là, parce qu'il est un homme de la paix. Vous voyez, ce monsieur, il est descendant de Fatimiyyin, de famille Mahomet. Mais en même temps, c'est famille chérif, on dit. C'est une sorte alawite, c'est une sorte de chiite. Mais le même chiite, même alawite, même chérif de Maroc, il est contre l'Iran, un autre chiite, contre le Liban, un autre chiite. Ce sont les guerres intérieures des mouvements islamistes qui existent depuis la création de l'islam. À quoi ça me regarde, à quoi ça te regarde de ramener ce problème-là, comme vous rameniez à l'époque le problème de la guerre des Palestiniens. Que chaque pays avait son parti palestinien avec Israël. Chaque fois que vous parliez, c'est maintenant tout le monde reconnaît l'Israël comme l'État. C'est terminé, mais vous êtes encore, au lieu de faire votre couscous, vous ne parlez comme ça. Pour ce que je viens de vous dire, je vous dis une anecdote un peu rigolo. Et vous avez la parole tout de suite. Quand je dis faites votre couscous, la semaine dernière, quand j'étais avec vous, quelqu'un nous appelle, je prends le combiné, je dis allô, oui, pour le prendre sous l'antenne. La personne, c'était un jeune garçon, elle dit maman, maman, viens, viens, viens. Et elle dit attends, attends, mon couscous va brûler. Elle dit maman, viens, viens, c'est David, viens, 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 j'ai composé le numéro, viens, tout là. Et il ne sait pas que je suis en train d'écouter tout. Parce qu'il y avait la musique qui passait, lui, ou peut-être il n'écoutait pas, ou peut-être il avait. Non, enfin. C'est-à-dire, maman de monsieur, la semaine dernière, il était en train de faire le couscous à la maison. Je crois que c'était pour le lendemain, puisque c'était vers minuit. Il était en train de préparer le couscous pour le lendemain midi. Et son fils, qui voulait intervenir, parler contre l'Israël, contre Juif, contre David, contre les chrétiens, je ne sais pas quoi, il dit des mensonges, des diffamations, et le combinait à sa mère. Sa mère, que j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Madame, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je ne vous connais pas. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais cet homme ne connaissait même pas comment on va composer un numéro de téléphone. Il ne savait pas ça. Comment on compose le numéro de téléphone? Il ne savait pas. Son fils, il a composé le numéro de téléphone. Et une fois qu'il s'est prêt, il appelle. Maman, viens, 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 c'est David. Et elle répond, attends mon fils, c'est mon couscous, il va brûler. Pour ça, cet exemple, je vais parler pour toujours. Je vais dire, madame, allez-y, faites votre couscous. Ne tombez pas dans le piège de votre fils. Qu'au lieu de lui-même insulter les gens libres et laïcs, il demande à vous de le faire. La première chose que vous devez apprendre à votre fils, dites, madame, je ne connais pas mon fils, mais je ne connais pas M. David, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas la connaissance, je ne sais pas ni lire, ni écrire, ni composer un numéro de téléphone. Pourquoi je veux parler avec David?
Voyez, c'est comme ça notre vie. Et votre vie de en haut de personne. Et tout ça, c'est pour détourner le but de mes émissions. Et dès maintenant, je vais vous dire tout de suite, dès que je vois quelqu'un qui n'est pas rationnel, qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas honnête, on n'a pas parlé de sujet, il vient pour détourner et faire du bordel dans notre émission, je vous coupe tout de suite. Je ne suis pas là pour perdre mon temps, donner la parole à madame qui est en train de faire son couscous et son fils, il a envie que c'est sa mère qui va nous critiquer, là, qui ne connaît rien du tout. Voilà. Ça, je voulais vous dire juste au départ de cette émission de ce soir, monsieur, madame, mes amis, je vous embrasse toutes et tous. Je suis tellement ravi puisque je constate il y a des gens très sages qui interviennent sur cette antenne, dans toutes les émissions. Et ça, c'est une fierté pour moi que je travaille ici, dans cette radio. Et je précise encore une fois que mes émissions, les émissions de David Abbassi, n'est pas la radio ici maintenant, ce sont mes opinions de David. J'ai l'antenne libre, j'ai mon tribune, je parle, je ne suis pas un animateur ignorant. Ça ne veut pas dire que les animateurs sont ignorants, non. Moi, je suis spécialiste, un islamologue laïque, un historien, un journaliste. Je ne vous permets pas de venir ici sur l'antenne faire des propagandes islamistes et dire des choses qui ne sont pas vraies. Et puisque quand vous dites les autres ici ils vont croire, dès que vous dites quelque chose qui n'est pas vrai, je suis obligé de vous répondre tout de suite. Comme à l'époque quand on parlait de 78, vous-même vous venez dire ah non monsieur, 78 c'est des mensonges, non? Maintenant tout le monde le sait. Égorger les gens, tomber les civilisations, à l'époque personne ne savait pas, mais maintenant tout le monde a fait des recherches, ils ont lu le Coran. C'est-à-dire proxénétisme, d'un côté, si vous voulez voir, et de l'autre côté, fait de propagande pour n'importe quelle religion, surtout l'islam, la place n'est pas ici. Ce n'est pas, puisque seulement vous dites, c'est un animateur qu'on va vous laisser parler pendant une heure, 30 minutes, 15 minutes, et faites propagande pour l'islam. Vous comprenez? Si vous êtes sage, vous connaissez bien le Coran, vous connaissez la langue arabe, vous avez des savoirs sur l'histoire, avec grand plaisir. Mais si vous ne savez pas, si on est ici, dès que vous commencez, je vous coupe. On ne vous donne pas la parole aux gens qui sont ignorants, qui viennent ici pour détourner le but de notre émission et éloigner les gens intelligents, les savants, les intellectuels qui vont parler. Et je vais vous préciser autre chose, c'est la dernière que je vais vous dire. Avec n'importe quel homme que vous venez, je vous prends, vous voyez, pour moi, ce n'est pas la peine de prendre, de temps en temps, vous êtes musulman, vous êtes arabe, vous devez être fier, vous prenez les noms juifs, les noms chrétiens. Pourquoi? Puisque vous pensez que si vous dites votre vrai nom, on ne va pas vous le prendre. Non, je vous le prends. Mais ça aussi, je vais vous dire ici, c'est d'être triche, vous trichez. Vous prenez un nom juif et vous voulez critiquer les juifs. Vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas honnête. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas honnête. Parce que, n'oubliez pas, on vous connaît. Hein? Vous n'êtes pas en Afrique, et moi ici. Même en Afrique, actuellement, je ne sais pas si vous savez ou non le progrès ou non. De toute façon, voilà, vous ne faites pas cette bêtise-là aussi. Moi, je connais votre voix, il y a déjà 5 ans, 6 ans. Vous avez un autre nom. Maintenant, vous choisissez un nom juif, un homme chrétien, pour venir ici critiquer le chrétien, critiquer le Moyen-Âge, Christ, Bouddha, critiquer les juifs. Soyez honnête dans la vie. Soyez honnête. Ne trichez pas. C'est de tricherie. Je vous embrasse toutes et tous. Vous êtes à l'écoute de votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Mes chers amis, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant ici maintenant.com. Et n'oubliez pas que nous sommes sur radio terrestre aussi, le canal 9A, Radio DAP Plus, vous pouvez nous écouter aussi. Et avec grand plaisir, on va vous recevoir, on va vous donner la parole. Et vous avez la parole, mes chers amis. En composant les 08 92 23 95 20, maintenant c'est votre tour, vous avez la parole. Avec grand plaisir, je vais vous recevoir.
Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Tout de suite, on va prendre Jean Bernard. Bonsoir Jean Bernard. Bonsoir David. Bonsoir. Merci pour tes émissions. Merci à Didier pour l'existence de RIM et puis pour les émissions de tous les jours que j'écoute. Et le forum que je regarde continuellement, comme j'avais dit à Didier, je ne parlerai plus, j'écouterai et je regarderai. Et c'est ce que je fais parce que de toute façon, je suis en permission restreinte sur le forum. Donc je sais pourquoi, parce que j'ai malencontreusement mis que le genre humain était capable de disséquer une grenouille pour manger. Donc c'est à cause de ça que j'ai été retiré. On m'a dit si j'étais capable de mettre ça, j'étais un monstre, alors que pour moi je ne suis pas. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai reçu un Camerounais qui était normand, que sa mère elle était elle est normande, mais sa femme est indienne. Et ses beaux-parents sont normands, et c'est un Camerounais. On parle de tous les sujets que tu peux aborder, mais on parle pas de musulmans, on parle pas de tout ça, on parle de France-Afrique, de français, ça, de choses comme ça, quoi, de où on en est maintenant, de toute la manipulation qu'il y a pu avoir au niveau de l'Afrique, alors qu'elle peut très bien vivre. Et lui, pour l'instant, il pense encore vivre en France. Et je lui dis pourquoi tu vas pas faire avec tout ce que tu sais maintenant, pourquoi tu vas pas développer en Afrique tout ce que tu sais là, tout ce que tu as appris toi en tant que Camerounais. Le Cameroun, ça reste l'Afrique, hein. Je sais pas David si tu es d'accord avec moi, mais bien sûr c'est l'Afrique, hein. Mais je lui ai expliqué que tout ce que tu as appris en France tu peux le développer en Afrique, et il me dit pour l'instant j'ai envie de développer en France ce que j'ai appris. Donc il voudrait monter une sorte de snack bar, un truc comme ça, enfin tu sais, un petit truc dans un village où ça vit encore, parce que moi je me suis expatrié, je viens du Nord, je me suis expatrié dans la Creuse, et je l'avais dit à l'antenne il y a longtemps, du temps de Laurent, du temps de tous les animateurs qui sont passés. Enfin moi depuis le temps que j'écoute la radio, ça fait un moment que j'écoute, je vois passer des gens, et je me dis merde, on a beau expliquer comme toi tu fais, comme toi j'ai vu là ce soir, tu entames l'émission assez énervé, je sais pas pourquoi, t'as dû être bien déçu par bien des gens je pense, mais et puis il y en a bien qui, je comprends bien qu'il y en a qui te pourrissent tes émissions. Moi j'ai l'habitude de les écouter, tu vois, de juste écouter ce que tu fais, et je vois bien les intervenants, comme quand tu te prends la tête avec comment il s'appelle, laisse tomber Jean-Bernard. Ouais, on va pas citer le nom des gens. Mais je sais que des fois, il y a quelqu'un que j'aime bien entendre écouter. Pourtant, il me parle bien. Il n'est pas si bête que ça. Mais des fois, tu t'embrouilles avec et ça m'ennuie un peu. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, le but ultime, c'était de dire que faut rester positif. Malgré tout ce qu'on subit actuellement, malgré tout ce qu'on met, moi je vois même ils sont en train de mettre les hommes contre les femmes. Enfin, c'est même plus de l'ordre de musulmans contre chrétiens ou des choses comme ça, parce que ça fait longtemps que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aurore rouge, ça fait partie de Aldous Huxley. Enfin, il y a plein de choses qui sont là présentes qu'on sait, qu'on connaît, et là on entame des phases supérieures, on est en train de piller les vieux, on est en train de mettre tout le monde, les jeunes contre les vieux, les femmes contre les hommes. Enfin, si tu veux, il y a plein de choses qui sont tellement rédhibitoires, quoi. Enfin, moi, ça me révolte chaque jour. Et, que je
me dis, heureusement que la radio, elle existe pour laisser libre appel à vous tous là, qui m'écoutez, de répondre à ça. C'est pourquoi on rentre dans le jeu de se battre les uns contre les autres, alors que on sait très bien, on connaît par cœur, on sait les banques, on sait les 1%, on sait tout ce qui nous fait mal, et on continue à se détester les uns les autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que il y a 80% de choses qui nous rassemblent tous, quoi. Enfin, je vais pas dire, il y a peut-être un petit peu de religion, un petit peu de ci, un petit peu de ça qui nous diffère. Moi, pour moi, il n'y a rien qui me gêne. Vous pouvez être religieux, vous pouvez être... Mais au final, je sais que quand je suis avec vous, quand je parle avec vous, qui que vous soyez, africain, syrien, ben en fait, aucun problème. Quoi. Au final, on se comprend, même si ce n'est pas le même dialogue, j'essaie de vous comprendre. Et à 80%, on est d'accord. Moi, le dernier reportage qui m'a tué, c'est le dernier 7 à 8 là, que... Pourtant, je regarde plus la télé, hein, mais tu vois, j'étais chez un ami, il y avait sa télé allumée, moi, j'en ai pas. Et je vois le reportage sur les pygmées, et je vois que les pygmées, parce qu'il y a des Bountous, là, je sais pas, qui font 30 cm de plus, ils ont le droit de les rendre, les pygmées, en esclavage, et les obliger à détruire leur forêt. Mais la forêt, c'est la vie, c'est notre vie. Donc, on est en train de détruire les forêts, et du coup, j'en parle dans la Creuse, et on me dit que on est en train d'envoyer la forêt au lieu de la mettre en scierie, on l'envoie en Chine et elle revient en France après. Et quand tu sais qu'un bateau il pollue 10 fois plus ou 100 fois plus qu'une voiture, il est où notre intérêt, il est où? Alors nous, on va nous faire payer des vignettes, des ci, des ça, parce qu'on polluerait avec notre petite voiture. Tu sais, les petits pauvres là qui sont obligés de voir des voitures qu'ils ont 10 ans, que c'est des tombeaux roulants. Et puis, à côté de ça, on laisse les bateaux des paquebots, des monstres, des mers, là, des autoroutes des mers là, qui viennent... Et en plus, si tu regardes le trafic, si tu es intelligent, si tu t'intéresses à comment l'Angleterre elle s'enrichit, tu sais que c'est grâce à des ports, tu sais que c'est tout ça, le trafic fluvial, c'était ce qui a fait la richesse de pays qui maintenant dirigent, enfin, de ces élites. Là, ils sont fait des couilles en or sur le transport, et encore maintenant, le transport, où maintenant c'est même plus le transport des denrées, c'est le transport des gens, parce que quand on fait, quand tu vois Macron qui se bat avec les gens, là, tu sais qu'on dit, alors moi je vais résumer comme ça, c'est mais si tu mets le libre-échange, c'est le libre-échange des moins-disants sociaux, donc les moins-disants sociaux, ils ont le droit de venir te prendre ton travail, et de détruire tout espoir que toi de travailler. Donc au final, c'est au moins disant social, au moins regardant élémentaire, au moins regardant de l'économie, de l'écologie surtout, principalement. Et puis il y a ce phénoménal d'Ushuaïa là qui va te dire, eh ben on va taxer les pauvres. Bah ok, vous êtes tous d'accord là-dessus? Ok, on continue. Mais moi, je dis, détruisons la planète, c'est super, formidable. Je l'ai dit, pourtant, il y a des années. Hein. J'ai déjà appelé Rine il y a 4-5 ans. Hein. Je disais la même chose. Hein. Et pour finir, on continue tous, et tout le monde est d'accord, et tout le monde vient te t'appeler pour te faire chier. David, je comprends que des fois, t'en es marre, parce que moi, j'en ai marre aussi. J'écouterai encore, mais j'en ai marre. Voilà, David, je te résume ma pensée. J'en ai marre parce que tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait qu'on est en train de nous mettre les uns contre les autres. Et puis, on continue. Voilà, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Jean-Bernard? Qu'est-ce que tu proposes pour être positif et pour ne pas débattre? Qu'est-ce que tu proposes? Ton projet, ton business plan, c'est quoi, s'il te plaît? Mon business plan, je vais te dire. Mon business plan, c'est autonomie. Déjà, ne plus dépendre du système. Être local, vraiment local. S'aider les uns les autres. Produire local. Énergie, on n'a pas besoin. On sait maintenant, avec tout ce qui existe, on sait être indépendant énergétiquement. On sait. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut au moins une source, parce que l'eau est vitale. L'eau est vitale partout. Partout dans le monde, l'eau, c'est vital. Reforester. Reforester,
c'est évident que là, on est en train de déforester la terre. Déjà, on la pollue dans nos ruissellements, dans nos écoulements, dans les tout à l'égout. Le tout à l'égout, c'est tout acheté, c'est tout va dans la mer et tout pollue la mer et tout détruit, ne serait-ce que le plus petit individu. Donc déjà là, filtrer. Quand tu filtres, tu évites de polluer. Donc localement, on fait des choses locales. On reste local, on vit local, on est sédentaire. Principalement, on ne va pas aller emmerder les autres. Déjà, il faut s'adapter. Quand tu bouges, quand tu es nomade, tu vas amener des maladies, tu vas amener des parasites qui ne sont pas habitués, tu vas amener... C'est le voyage, c'est l'avion, c'est etc. Déjà, tu arrêtes de bouger, d'aller t'éparpiller. Tu restes local. Tu te recentres sur toi-même. C'est se recentrer. La voie du milieu. Ne pas s'éparpiller. Déjà, se recentrer. Après, quand tu auras déjà une base, après tu peux aller explorer un petit peu. Faut revenir aux essentiels. Je sais pas moi, pour moi c'est une évidence. Revenir à l'essentiel. Arrêter de s'éparpiller partout, de se dire ça sera mieux ailleurs. C'est pas vrai, il n'y a rien nulle part ailleurs. Tu vas dire ouais je vais pas là, ça me plaît pas, la France ça me plaît pas. Je suis riche, la France ça me plaît pas. Je vais aller m'expatrier ailleurs, je vais mettre des sous ailleurs. C'est pas vrai, tu détruis la terre d'une manière comme une autre, tu la détruis. Non, c'est tu t'adaptes à ton habitat, tu essaies de partager avec les gens qui sont autour de toi, tu essaies d'échanger avec les gens qui sont autour de toi, tu essaies qu'il n'y ait personne qui soit malheureux autour de toi aussi, c'est important. Ça paraît peut-être con, hein, mais t'essayes. Et quand tu as fait ça, peut-être tu peux échanger avec la tribu d'à côté. Et dire peut-être on peut faire un échange. Mais déjà, revenir à ça, ça serait sympa. Enfin, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, David. Non, c'est bien. J'aimerais bien que les autres, s'ils ont des propositions positives à donner pour des business plans, voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire, dis, oui, c'est bien, comme tu viens de dire. Autonomie, c'est autonomie bien. Énergétique, autonomie au niveau de l'eau, donc trouver des endroits où au moins il y a des sources. Je te dis le défi qui nous attend le plus, c'est même pas de trouver de l'énergie électrique, parce qu'à la limite ça, tu mets un panneau solaire ou tu mets, enfin je sais pas, il y a plein de manières d'avoir de l'énergie, ça c'est pas le problème. Mais l'eau, ça va être un vrai problème. Et l'eau actuellement, quand tu vois ce qu'ils sont capables de maîtriser au niveau du ciel, etc., du climat, ils sont en train de la géo-ingénierie, c'est pas du fantasme, hein, ça existe réellement. Donc savoir où il y a de l'eau, ça c'est la future richesse du monde. C'est même pas l'or, c'est pas les métaux précieux, c'est pas le téléphone, on s'en fout. Demain on se prend la Sibie, on sait très bien qu'on peut se parler gratuitement. Pourquoi on paye des forfaits pour dire papa, j'arrive pas à te prendre sous le tunnel. Non, c'est pas la peine ça. Non, faut des trucs qui servent à qui soit vraiment utile. Voilà. Enfin... Mais déjà, Jean-Bernard, tout à l'heure, tu viens de préciser quelque chose sur le climat et retirer des voitures pourries, et ça, tu l'as pris négative et contre les pauvres. Moi, je veux te poser cette question. Alors, si on est pauvre, ou même si on est riche, on n'est pas obligé de rouler en voiture, en vélo. Regarde, dans l'autre pays européen, ils font tout pour que les gens ne roulent pas en voiture. Prendre le vélo, prendre le transport... concernant ça, tu ne penses pas que tu dois changer d'avis? Ils aient le vélo avec la batterie, ils vont enlever la prime. Alors, pourquoi ils enlèvent la prime pour le vélo avec la batterie? Explique-moi. Pourtant, c'est une bonne avancée, c'est un truc sympa. Alors, maintenant, les batteries, moi, je suis pas d'accord. Hein, parce que des batteries, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais des batteries, hein? Comment tu les régénères? Non, là, il y a un vrai problème avec les batteries. Les batteries de voiture, c'est une horreur. Hein. Dernier truc que j'ai vu, la batterie, elle coûte plus cher que la voiture, quoi. Et ils savent pas quoi en foutre. C'est comme avec le nucléaire. Le nucléaire, c'est super, hein. Ça coûte pas cher, t'as de l'électricité, c'est pas cher. Mais après, quand tu dois payer l'ardoise de qu'est-ce qu'on fait des déchets, ben, moi, je me souviens de Mitterrand qui disait, on fait du nucléaire, les déchets, c'est les futures générations qui vont trouver la solution.
Moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas entendu. J'écoute, mais j'ai pas vu de solution. Allô? Merci Jean-François, tu restes, Jean-Bernard, tu restes avec nous, puisque nous avons un autre Jean, c'est Jean-François. Mais n'oublie pas qu'un vélo actuellement, ça ne coûte pas trop cher. Un vélo normal avec 100 € dans les grandes surfaces, vous pouvez l'acheter. Et vous êtes mieux si vous avez une voiture. Il y a Allô? l'essence, amende et tout ça. Et Jean-François, bonsoir, nous sommes avec Jean-Bernard. Jean-Bernard, si tu n'as pas fini, tu aurais la parole tout à l'heure, mais on va écouter Jean-François. Bonsoir, Jean-François. David Abassi? Oui. Vous êtes un salduf iranien. Alors, Salduf iranien. ça te dérange? Salduf iranien. Ça te dérange alors? Voyez? Voyez? Ça, ce monsieur-là, il ne sait pas que ça, c'est un délit en France. C'est un délit. C'est un délit. Parce que quand il a réfléchi sur son prénom, j'ai compris que encore c'est quelqu'un d'une autre histoire qui va me mettre en colère, mais Ah, mais moi je c'est suis toi qui vas pas désolé, bien dormir, David, j'ai du moi. mal à écouter des gens comme ça, quoi. Voilà, Ouais, je suis reste. désolé. On vous écoute, Jean-Bernard. Ben, moi je suis désolé d'entendre Ah, ça, écoute, enfin venir. On a des connards comme ça partout dans le monde, ces gens-là. Ouais, mais je sais pas, tu Voilà. vois, c'est comme tout. Je me souviens, il y a quelques. Ouais, il y a peut-être une semaine, là, Morgane elle faisait une émission bien sympathique et il y avait un œuf qui avait été jeté sur la vitrine et. Et ça me. Ouais, franchement, quand les gens arrivent aux mains, c'est qu'il y a vraiment un problème et c'est qu'on n'arrive pas à communiquer. Et c'est qu'on n'arrive pas à transmettre. L'essentiel, c'est que. Comment te dire ça, c'est. Enfin, moi, je ne comprends pas que on n'arrive pas à dialoguer. Pourtant, c'est une radio, quoi. C'est pas un cafard d'homme, quoi. C'est pas un truc où tu laisses pas la parole. Tu lui ouvres le micro, il t'insulte, c'est quoi? Et il sait pas dire, je ne comprends pas ta émission, je ne comprends pas dire son point de vue. Il sait pas dire son point de vue, faut il faut qu'il t'insulte. Mais si les gens ne savent faire que ça, c'est même pas la peine qu'ils appellent. Moi, je leur dis franchement, les gens, n'appelez pas, quoi. Si c'est pour insulter, n'appelez pas, quoi. Vous n'avez aucune utilité dans ce monde. Restez là où vous êtes. Voilà. Enfin, pour moi, hein, Oui, c'est juste ça. Jean-Bernard, c'est pas grave, c'est pas grave. Des connards comme ça, il y en a plein dans le monde. Et Mais ça n'est c'est une. pas ça qui fait avancer les choses. Ouais, Ce qui fait avancer voilà. les choses, c'est qu'on se parle ensemble. Même s'il a plein de révoltes en lui, qui disent sa révolte et pourquoi il se révolte et qu'est-ce qu'il a compris de ce monde actuel, quoi. Mais faut pas. Enfin, je sais pas, moi. Alors, concernant le harcèlement sexuel, Jean-Bernard, récemment, tu as entendu que ça fait beaucoup de Oui, bruit, même aux ça dit. États-Unis, hein? Oui, alors moi je dirais qu'il y a une grosse hypocrisie de la femme là-dessus, parce que pourquoi elle s'est tue aussi longtemps, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, ce jeu-là de la femme qui a été martyrisée, pourquoi la femme n'est toujours pas l'égale de l'homme, ne serait-ce que par le salaire, par exemple. Pourquoi? Pourquoi on en fait des monstres de compétitivité qui sont pires que les hommes, hein? Parce que moi, je connais des femmes en stress. J'ai commencé, mais quand j'avais 20 ans, je travaillais à l'hôpital et je voyais que les femmes étaient plus méchantes que les hommes entre elles. Hein? Je te parle au niveau de la compétitivité du travail. Et c'est resté. Et même encore maintenant, une femme qui est directrice, elle est pire qu'un directeur actuel. Donc, où est-ce que ça va nous mener cette compétitivité mortifère, quoi? Voilà. Ouais, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que on va aller vers un monde d'Amazon? Je me pose la question. C'est moi, à la limite, peut-être la Terre étant féminine, pour moi la Terre elle est féminine, peut-être ça sera mieux que gérée par des hommes, hein, parce que pour l'instant c'est des hommes qui gèrent un peu, quoi, entre guillemets, et encore je ne sais pas. Parce que derrière chaque homme, il y a une femme. Tu sais, même les grands hommes, ils ont toujours une femme qui tire un peu. Elles savent y faire. Donc, non, franchement, je sais pas où on va. Pourquoi on reste toujours dans le combat? Pourquoi on n'arrive pas à s'unir et à aller vers un objectif commun? En fait, c'est la question, c'est pourquoi on n'arrive pas à aller vers un objectif commun? C'est la question que je me pose. Femme ou homme, quoi.
ou espèces différentes, ou climats différents, ou régions différentes, pays différents. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre alors qu'on pourrait s'entendre sur plein de points communs, quoi? Non, on se bat que sur des différences de pipitia. Pour moi, c'est, on se bat sur des pipitia, quoi. Et je trouve ça vraiment lamentable. Si, à la limite, tu vois, faudrait qu'on prenne exemple sur les bonobos, quoi. S'il y aurait un conflit, on se baise entre nous, quoi. Enfin, je sais pas, mais on se détruit pas, on se tue pas, quoi. Pourquoi on se tue? Pourquoi on est méchant? Pourquoi cette est-ce que c'est la télé qui rend comme ça? Est-ce que c'est le fait de voir des films, des séries où il y a 80% de meurtres, ou c'est qui va être le plus machiavélique? Moi, quand je regarde la télé, j'ai envie d'éteindre tout de suite, parce que si je vois, je sais pas, je regarde 10 secondes chez quelqu'un, parce que comme je te le dis, je regarde pas, j'en ai pas chez moi, mais quand je vois 10 secondes chez quelqu'un, j'ai l'impression que on montre ce qu'il y a de plus méchant chez l'homme. Et c'est un peu l'exemple qu'on donne. Alors, moi, je peux pas, quoi. Non, j'arrive pas. Moi, je préfère regarder des oiseaux qui se font l'amour dans la nature, quoi. Ou parler à un arbre. Enfin, je sais pas, mais il y a tellement de belles choses autour de nous. Pourquoi regarder ou imaginer plus morbide, quoi? Enfin, moi, je comprends pas ça, cet esprit-là d'être toujours dans le négatif, quoi. Moi, je préfère mille fois regarder le positif, de voir ce qu'il y a de beau dans chaque être, quoi. C'est ça qui me donne envie de vivre, c'est de voir tout ce qui est de beau dans chaque être. C'est pas de imaginer ce qu'il y a de plus méchant, quoi, ou ce qu'il y a de plus pervers. Ou sinon, moi, je vis pas, ou demain, je me cloître, et on arrive dans des mondes fermés, comme je vois maintenant, c'est à celui qui va mettre sa prison autour des barreaux aux fenêtres, des barreaux à l'entrée de l'immeuble, des digicodes, des machins. Mais ça sert à quoi? Alors tu vas rouler comme en Israël avec des fenêtres sur les... Enfin, tu sais, des barreaux sur les voitures, là. C'est des prisons permanentes. C'est quoi ce monde? Moi, j'ai pas envie d'être en prison. Et en plus, payer ma prison. Parce qu'en fait, au final, les gens, ils se payent leur prison. Quand ils se payent des appartes blindés, sécurisés, etc., ils se payent leur prison. Ils se la payent en plus, c'est ça qui est terrible. C'est non seulement ils se mettent en prison, mais ils se payent leur prison. Mais c'est quoi cet avenir qui vendent vidéosurveillance, prison, barreaux? C'est quoi ça? Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Franchement, moi, si c'est ça l'avenir, ben, je préfère qu'on allait, quoi. David. Merci Jean-Bernard, merci. Voilà, ça c'était Jean-Bernard sur 95.2 FM. T'as dernière chose à nous dire avant de partir? Ben, je te fais un gros bisou, puis un gros bisou à Morgan et un bisou à Didier. Merci, au revoir. Merci. Voilà, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM. Vous avez la parole comme d'habitude, mes chers amis. Et en composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer calmement. Mais pour répondre à certains individus ignorants, je vais vous faire écouter ça. Et dès que quelqu'un nous appelle, je le prendrai en ligne et on va couper cette vidéo. Voilà. De remise en marge du DEA qui a subi des avatars parce que bon, au fur et à mesure des années, des péripéties politiques, il y a eu la signature du paix entre l'Égypte et Israël qui a bloqué beaucoup les choses. Enfin bref, c'est passé tout un tas de choses, mais le fait est que dans les résolutions de Strasbourg, on trouve exactement ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en place d'une politique de recrutement de main-d'œuvre dans le monde maghrébin. L'immigration n'est pas un fait voulu par nos élites, ça a été imposé au moment du processus. Absolument pas. Ça a été réclamé par les Européens. Ce sont les Européens. Donc, j'ai mal compris. Ah, absolument. C'est ça qui va intéresser les gens. Voilà, donc ce sont là les Européens, en l'occurrence, c'est le nom de la personne qui a posé, c'est monsieur Tillich de Clercq, donc un Belge. Il faut savoir que les Belges sont vraiment, ont été très moteurs dans cette affaire-là avec la France, donc le Belge, le Luxembourg et la France. Donc ont mis en place un deal, un arrangement. un arrangement. Disons, nous avons besoin de main-d'œuvre que nous allons prendre chez vous. Et là, les pays musulmans, eux, ont mis des conditions. Et c'est là où tout est important. Ils ont mis des conditions à cette immigration. C'est-à-dire que la condition était qu'ils n'aient pas
vous allez prendre des gens chez nous, ils vont aller chez vous, et puis tout le monde, tout ça va se débrouiller à la va comme je te pousse. Pas du tout. Il y a eu un souci, d'ailleurs c'est en parfaite cohérence avec la doctrine islamique. Ils disaient voilà, ces gens, donc ils viennent de nos pays, vont aller chez vous, ils vont s'installer chez vous, mais nous allons mettre des conditions. Ces conditions sont l'accès à l'égalité totale de traitement entre les personnes qui viennent de chez nous et vos propres citoyens, c'est-à-dire accès aux droits sociaux, accès aux droits politiques, accès à tout. Donc égalité de traitement entre les immigrés et les nationaux de vos pays. Deuxième condition, sine qua non, qui est ces gens-là, ils ne vont pas aller chez vous pour devenir comme vous, ils vont aller chez vous, mais ils restent ceux qu'ils sont, et nous gardons le lien entre ces gens. C'est-à-dire que ce sont nos communautés qui vivent chez vous, à notre manière, suivies et chapeautées et cornaquées par nous. Et la troisième condition, c'était que tout ça va se passer dans des conditions qui font que vous allez devoir introduire dans vos sociétés un narratif concernant l'islam qui suit les règles suivantes. L'islam fait partie et partie constitutive de votre culture. L'islam Chirac. C'est du Chirac dans le texte. Oui, c'est du Chirac dans le texte, bien sûr. Mais Chirac ne fait que mettre en œuvre les accords qui ont été signés à cette époque-là. C'est une mise en application. C'est-à-dire que la presse doit modifier son mode de traitement de l'islam. On doit avoir un traitement positif, on doit avoir la mise en place progressive d'une synergie culturelle entre l'Occident et le monde arabe musulman. Tous les instituts divers et variés avec la mise en arabe, avec la mise en place, et ça encore c'est dans les accords, avec la mise en place de centres culturels dans toutes les capitales européennes. Donc une infrastructure, nous y voilà, donc une infrastructure de mise en place de l'arrivée culturelle, de l'accompagnement culturel des populations musulmanes qui allaient arriver chez nous et qui, dans leur perspective et dans les faits, ne devaient pas être séparés de la communauté musulmane, ne devaient pas être séparés de la capacité de pratiquer leur culte de manière parfaitement libre et de vivre selon leur culture et leurs usages culturels. Et nous sommes exactement en train de vivre ça. Ces accords fondateurs qui ont été signés en 75 et après, mais confirmés un nombre incalculable de fois, là j'ai un quart d'heure, je ne peux pas vous citer toutes les réunions, mais il y en a eu des kilos, mettre en place. Et tout cela est chapeauté par le document dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai trouvé récemment, et qui s'appelle donc Stratégie culturelle islamique pour l'extérieur du monde islamique. Et donc, ce document est un document que vous pouvez trouver. Alors, c'est un document officiel adopté comme stratégie officielle par l'OCI. L'OCI, c'est l'Organisation de la coopération islamique. Donc, c'est l'équivalent de l'ONU islamique. C'est la deuxième plus grosse organisation internationale du monde, et qui regroupe tous les pays musulmans. Et donc cet organisme, à son plus haut niveau décisionnel, qui est le niveau des sommets islamiques, les sommets islamiques sont les sommets qui regroupent les chefs d'État. Donc lors du 9e sommet à Doha, en 2000, ils ont adopté ce document, qui est un document stratégique, qui est donc la stratégie d'action du monde musulman chez nous. Parce qu'à l'extérieur du monde islamique, c'est chez nous. Et bien ce document, dont j'ai fait quelques petites traductions, mais je vais vous faire un résumé parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de le faire. Donc tout ça, ce sont les preuves que vous avez en votre possession et, oui. Et que tout le monde peut vérifier. C'est absolument sourcé. Et mais complètement. Alors vous pouvez trouver ce document en téléchargement, vous pouvez le télécharger, le lire, donc sur le site de l'ISESCO. Alors allez-y. Alors l'ISESCO, si vous considérez. Énoncez-nous ça, ISESCO. Comme ça se prononce, hein, I-S-E-S-C-O. Donc, si vous imaginez l'OCI comme un gouvernement, eh bien, l'ISESCO, c'est le ministère de la culture, de l'éducation, de la communication. Donc, c'est quand même un très, très gros morceau. Ça fait partie de l'organigramme officiel. Ils ont leur siège à Rabat, dans un très beau bâtiment. Et donc, vous allez sur le site de l'ISESCO, vous allez sur la partie en français, parce que vous avez un site en français, vous cliquez, vous cherchez le mot « stratégie ». Donc, vous allez à l'onglet « stratégie » et vous téléchargez ce document. Qui est un document. Qui est en anglais peut-être ? Non, qui est en français. Qui est en français. Qui est en français. Voilà. Et ce document, il est présent en arabe, en anglais et en français. Alors j'ai constaté qu'il y a des petites différences entre les versions. J'ai même fait viser la version justement par Samuel Dib, qui est parfaitement bilingue. J'imagine la version arabe. J'imagine la version qui fait référence, c'est la version arabe, j'imagine. Non, parce qu'en réalité, c'est comme l'OCI. Les trois langues, français, anglais et arabe, sont les langues officielles. Ce qui veut dire que les trois langues, les trois communiqués, les trois documents sont des documents officiels. D'accord. Voilà. Et donc ce document est le document adopté de manière officielle par l'OCI au niveau du sommet comme leur mode d'action pour les années qui viennent. Voilà. Et ce mode d'action, je vais le résumer très rapidement, il consiste à implanter, alors j'utilise leur terme, à implanter des communautés islamiques civilisationnellement différentes de l'Occident,
qui fonctionnent selon les règles de la charia et qui ont pour vocation de prendre les postes clés au niveau politique, économique et communicationnel dans les pays hôtes. Nous sommes les pays hôtes. Voilà. Il faut savoir que l'implémentation, la mise en œuvre de cette stratégie, c'est précisé encore une fois dans le document, s'appuie sur les centres culturels, les mosquées, les écoles islamiques. Et qui sont pour l'instant marginales, ces écoles islamiques, ouais. Mais qui sont... Attends, pas du tout marginales. À chaque fois que vous avez une mosquée, l'étape d'après, c'est l'école islamique. Qui est à côté, qui vient après. Et d'ailleurs, dans toutes les mosquées, vous avez des salles de classe. Oh tiens, c'est bizarre, ce qui n'aurait pas un rapport avec une sorte de processus éducatif parallèle. Encore une fois, processus éducatif parallèle mentionné dans le document. Alors il faut savoir que ce document est donc un document officiel qui a été mis en place, alors pas par quelques excités dans le fin fond d'un pays arabe. Avant la mise en place de ce processus, a nécessité, pendant 9 ans, ils ont sillonné toute la France. Ils le mentionnent d'ailleurs dans le prologue de ce document, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Eh bien, ce sont les organisations européennes qui ont participé à l'élaboration de ce plan. C'est-à-dire que des gens qui sont chez nous... le serpent qu'on a nourri, c'est-à-dire qu'on a réchauffé en notre sein des serpents, c'est-à-dire qu'on a financé, la plupart des fois, il faut savoir que les centres culturels en Europe sont financés par les États, sont financés par le contribuable. Et ce sont ces gens-là. Parce qu'il n'est pas dit des centres culturels, ni des organisations islamiques. Donc eux, ils ont fait la concertation avec les chefs des centres culturels de toute l'Europe et des organisations islamiques de toute l'Europe. Ce qui veut dire que des gens, comme par exemple M. Boubaker, etc., sont compris dans les organisations islamiques. Donc les organisations islamiques européennes, avec les guillemets, hein, bien sûr, ont réclamé à l'OCI parce qu'ils constataient qu'il y avait des signes d'assimilation des enfants musulmans dans les sociétés occidentales, eh bien, ils ont mis en place un système qui vise à immuniser, j'utilise leurs mots, à immuniser les enfants contre l'invasion culturelle. J'utilise leurs mots. Un enfant musulman qui va dans une école occidentale est considéré comme subissant une aliénation et une invasion culturelle. Donc comme en danger. Il est en danger, bien sûr, il est en danger de sortir de l'islam et de s'assimiler à la culture européenne, ce qui est considéré comme quelque chose d'abominable. Alors, il faut bien voir que cette stratégie aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, quand nous avons un centre culturel qui se crée, une mosquée qui s'appuie toujours sur un centre culturel, ils mettent en œuvre la politique de l'OCI. Alors, cerise sur le gâteau, puisque je vois que j'arrive, j'ai dépassé 15, cerise sur le gâteau, il faut savoir qu'un des objectifs fondamentaux, précisés comme absolument fondamentaux et nécessaires, obligatoires, c'est l'enseignement de l'arabe aux populations occidentales. Bien sûr. Ce qui veut dire que nous avons, à l'heure actuelle, une ministre qui benoîtement nous explique qu'il faut qui aujourd'hui agit objectivement dans le cadre de ce plan, dans le cadre de sa fonction ministérielle comme un agent de l'OCI et comme un agent de mise en place de cette stratégie culturelle avec les guillemets voilà. Donc, et on nous parle donc dans le document anglais, il y a un mot qui est très intéressant, c'est qu'à un moment on parle de settlement, c'est-à-dire que les peuplement en français. Settlement, c'est un double sens. Ça veut dire implantation, mais ça veut aussi dire colonie. Colonisation, oui, d'accord, oui, c'est ça. Voilà. Et le terme en anglais aussi, le document anglais est très intéressant parce qu'il mentionne explicitement comme traduction de l'Umma. Donc l'Umma, traditionnellement, on nous explique que c'est la communauté des croyants. Voilà. Eh bien, eux, ils emploient le terme de nation islamique. Alors il faut savoir que l'ISESCO, c'est un avatar des frères musulmans. Très bien. Eh bien, écoutez, donc... Alors, ce document est une bombe politique. Oui, j'imagine. Moi, personnellement, je pense qu'il y a certaines époques dans l'histoire de France où on aurait convoqué les ambassadeurs, mis ce document sur la table, et on aurait dit, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez l'intention d'appliquer ça chez nous? Et on aurait expulsé ces gens. Oui, ouais. Mais il se trouve que les gens qui sont au gouvernement ne sont peut-être pas tout à fait étrangers à ce... Alors, ils peuvent toujours dire qu'ils ne savent pas que ça existe, hein, bien évidemment, sauf que c'est un document officiel. Mais surtout, le truc qui est le plus sidérant, c'est que nous avons aujourd'hui notre gouvernement qui agit en parfaite collaboration avec les pays de l'OCI pour la mise en place de cette stratégie dans le propre pays. C'est-à-dire que nous avons, objectivement, ouvert les portes de notre pays à un processus de colonisation. Bon, donc je disais, une date fondamentale, c'est 1973. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous passons au processus de Barcelone. Alors oui, le processus de Barcelone. Enfin, oui, le protocole de Barcelone. Protocole, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé en 73? Ben, il y a la guerre syrio-égyptienne contre Israël. Les syrio-égyptiens prennent une raclée. De manière immédiate, quasiment immédiate, l'OPEP et les pays arabes multiplient le prix du pétrole par 4.
et classe les pays en catégories, c'est-à-dire soit amis, soit neutres, soit ennemis. Et il classe dans la catégorie ennemis toutes les personnes qu'ils associent, de près ou de loin, à l'État d'Israël. Ça a provoqué, certains s'en rappelleront, donc un choc pétrolier absolument terrifiant. On a eu un chantage, c'est-à-dire que les pays de l'OPEP nous ont mis la main sur le robinet en fermant. Il faut savoir qu'il y a des pays qui se sont retrouvés sous embargo pétrolier. C'est la Hollande qui s'est retrouvée en embargo pétrolier, etc. Les États-Unis aussi d'ailleurs. Et suite à ce chantage, parce que c'est un chantage, ils nous ont imposé des conditions. Nous sommes allés à la table des négociations avec eux et nous avons tout accepté. Alors, dans les accords qui ont suivi juste après, donc on a, voilà, donc le 6 novembre 1973, donc les 9 pays de la communauté européenne de l'époque basculent dans le camp pro-arabe, donc avec les corollaires qui vont bien, c'est reconnaissance du peuple palestinien, l'alignement sur le narratif arabe concernant Israël, etc. Vous avez la création de ce qu'on appelle, alors ça c'est fondamental parce que c'est l'ancêtre du protocole de Barcelone, du processus de Barcelone, c'est-à-dire la création du DEA, du dialogue euro-arabe, qui est en réalité un processus, lui aussi, un processus qui vise à globalement mettre en œuvre des éléments qui ont été définis de manière très précise en 1975 par les résolutions de Strasbourg. Donc les résolutions de Strasbourg ont été adoptées communément par les pays euro-arabes, par les pays arabes, et donc l'Assemblée générale de l'Association parlementaire de la coopération euro-arabe. Ça a été voté à l'unanimité, il y avait 200 représentants de tous les partis politiques européens. Donc vraiment un ensemble total. Et il faut savoir que ce document est fondamental puisqu'il est, il pose les bases de ce que nous vivons encore aujourd'hui et qui s'est traduit par différentes avatars. Donc le processus de Barcelone n'était que finalement une espèce de remise en marche du DEA qui a subi des avatars parce que bon, au fur et à mesure des années, des péripéties politiques, il y a eu la signature de paix entre l'Égypte et Israël qui a bloqué beaucoup les choses. Enfin bref, il s'est passé tout un tas de choses. Mais le fait est que dans les résolutions de Strasbourg, on trouve exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire la mise en place d'une politique de recrutement de main-d'œuvre dans le monde maghrébin. L'immigration n'est pas un fait voulu par nos élites, ça a été imposé au moment du processus. Absolument pas. Ça a été réclamé par les Européens. Ce sont les Européens. J'ai mal compris. Ah ben absolument. C'est ça qui va intéresser les gens. Voilà, donc ce sont là les Européens, en l'occurrence, c'est le nom de la personne qui a posé, ce monsieur Tillich de Clercq, donc un Belge. Il faut savoir que les Belges sont vraiment, ont été très moteurs dans cette affaire-là avec la France, donc le Belge, le Luxembourg et la France. Donc ont mis en place un deal, un arrangement. un arrangement. Disons, nous avons besoin de main-d'œuvre que nous allons prendre chez vous. Et là, les pays musulmans, eux, ont mis des conditions. Et c'est là où tout est important. Ils ont mis des conditions à cette immigration. C'est-à-dire que la condition était qu'ils ne disaient pas « Vous allez prendre des gens chez nous, ils vont aller chez vous, et puis tout ça va se débrouiller, alors comme je te pousse. » Pas du tout. Il y a eu un souci, d'ailleurs c'est en parfaite cohérence avec la doctrine islamique. Ils disaient « Voilà, ces gens donc, qui viennent de nos pays vont aller chez vous, ils vont s'installer chez vous, mais nous allons mettre des conditions. Ces conditions sont l'accès à l'égalité totale de traitement entre les personnes qui viennent de chez nous et vos propres citoyens, c'est-à-dire accès aux droits sociaux, accès aux droits politiques, accès à tout. Donc égalité de traitement entre les immigrés et les nationaux de vos pays. Deuxième condition, sine qua non, qui est ces gens-là, ils ne vont pas aller chez vous pour devenir comme vous, ils vont aller chez vous, mais ils restent ce qu'ils sont, et nous gardons le lien entre ces gens. C'est-à-dire que ce sont nos communautés qui vivent chez vous, à notre manière, suivi et chapeauté et cornaqué par nous. Et la troisième condition, c'était que tout ça va se passer dans des conditions qui font que vous allez devoir introduire dans vos sociétés un narratif concernant l'islam qui suit les règles suivantes. L'islam fait partie et partie constitutive de votre culture. L'islam est... C'est du Chirac dans le texte. Oui, bien sûr. Mais Chirac ne fait que mettre en œuvre les accords qui ont été signés à cette époque-là. C'est une mise en application. C'est-à-dire que c'est très intéressant ce discours, ce document. Mais puisque nous avons Mani avec nous, on va donner la parole à Mani. Et si on aurait le temps, on va écouter le reste de ce très intéressant discours. Bonsoir Mani. Salut. En fait, tu n'auras pas écouté le reste parce que je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais c'est revenu au début. Ça a tourné en boucle.
C'est vrai, mais il y a, après 30 secondes, il y a d'autres choses qui vont venir. Mais ça, c'est pas grave. Ah, après 30 secondes, ça change. Parce qu'on avait fait une mauvaise montage, mais c'est pas grave. Merci. Ah, on vous écoute, Mani. Allez. Voilà, mon prénom, c'est Mohamed. Je m'appelle Mani parce qu'à l'époque où j'appelais à l'antenne, il y avait beaucoup de Mohamed. Du coup, j'avais pris le nom de mon fils. Mais c'est Mohamed. Maman, tu vas embrasser ton fils de ma part. Je te remercie beaucoup. C'est pas la peine de justifier. On vous écoute. Vas-y. D'accord. Merci. Bah, embrasse ton fils. Il a quel âge ? Il a 6 ans. Oh, c'est un ange maintenant. Hein. Ok, tu vas l'embrasser de ma part. On vous écoute, maman. Mais alors, j'ai essayé de suivre le raisonnement de l'émission. J'aurais bien voulu avoir votre position par rapport au fait que y a souvent eu cet appel de demander aux musulmans de sortir à la rue, dans la rue, pour dire qu'ils sont opposés à ça. Et on a souvent eu ce débat-là pour dire que qu'à aucun moment, en tant que musulmans, on se considérait en rapport avec ça. Et d'ailleurs, de toute façon, après, il y a eu Not In My Name qui a essayé d'exprimer ça de la façon la plus calme possible, la plus posée possible. Je ne vois pas pourquoi vous lancez l'émission en disant pourquoi les musulmans ne se manifestent pas et tout. Et j'ai l'impression que c'est plus de la provocation, quoi. Pourquoi vous voulez que les musulmans ils sortent et la question exactement c'est quoi, Mani? C'est-à-dire tu penses que les musulmans ne doivent pas manifester contre les gens qui font des actes terroristes au nom de l'islam? Il faut pas faire ça? Bah non, mais si demain quelqu'un fait un acte au nom de David Abbassi, vous n'allez pas tous les jours manifester pour dire mais non, il fait pas ça en disant, je veux dire. Ça a rien, vous n'avez pas besoin de vous justifier sur des choses délirantes, quoi. Je veux dire, c'est quand même fort de café de dire que d'affirmer une évidence. C'est ça que je ne comprends pas. Voilà. Là, monsieur Mani, je ne suis pas d'accord avec vous, puisque vous savez, moi, j'ai étudié également la philosophie. C'est-à-dire, David Abbassi, en même temps que c'est un historien, je ne sais pas quoi, islamologue, c'est un philosophe, j'ai étudié la philosophie chez le plus grand maître de la philosophie. Ce que vous dites, c'est vous qui vous êtes en train de justifier un acte que vous devez faire et vous ne le faites pas. Mais puisque vous venez donner l'exemple de David, vous dites, David, si quelqu'un fait quelque chose à votre nom, si dedans, c'est déjà fait, mon cher ami monsieur Mani. Déjà, on a créé un docteur Abbassi. Pour moi, il y a déjà une dizaine d'années. Ce docteur Abbassi, c'est un général de l'armée de la révolution islamique qui a formé Hezbollah libanais. C'est un chef terroriste et lui-même, il vient à la télé, vous pouvez regarder sur YouTube. Il dit que moi, je suis fier de vous dire que c'est moi que j'ai formé mon armée et mon groupe, le groupe terroriste Hezbollah et Djihad islamiste, etc. Je suis fier de ça. Je m'appelle Dr Abbassi, etc. Après, ils ont dépensé plusieurs millions de dollars dans les médias internationaux persophones pour démolir moi-même, David Abbassi. C'est-à-dire, après, il y avait beaucoup de gens, même de ma famille qui était en Iran, ils pensaient que vraiment c'est Dr Abbassi, c'est moi. Ce n'était pas moi. Et ça, c'est depuis 10 ans. Même ici, les services n'étaient pas au courant. Une fois que j'étais en voyage aux États-Unis, c'est les Américains qui m'ont mis au courant. Ils m'ont donné tous les dossiers. Même avant, moi-même, je le savais, je l'avais publié, même avant que les Américains ils m'envoient. Voilà, c'est-à-dire, ils ont créé, fabriqué quelque chose, quelqu'un pour moi, contre moi, mais avec mon nom, et qui faisait des bordels dans le monde. Il a fait une grande bruyée, c'est Dr Hassan Abbassi. C'est-à-dire, ça, si vous cherchez sur l'internet, beaucoup de gens, même jusqu'à maintenant, même jusqu'il y a déjà une semaine, il y a un ancien ministre du Shah d'Iran qui se trompait. Voilà. Quand on fait comme ça, les gens ils se trompent, c'est tout à fait normal. Moi, je vais te dire, je t'assure, Mani, je t'assure, depuis 10 et 12 ans qu'ils ont fabriqué cette personne-là, même mon oncle, même ma cousine, depuis 10 ans jusqu'à maintenant, ils pensent que c'est moi.
Alors c'est pour ça que quand on fait des choses à votre nom, ça sera bien que tout de suite vous aurez dénoncé. Moi, j'ai dénoncé depuis 10 ans, mais pourtant, maintenant, une grande partie des gens dans le monde, dès qu'ils voient le docteur Abbasi qui parle, iranien, ils pensent que c'est moi. Pour ça, oui, mais là, pour là, ça, la communauté musulmane, c'est une communauté respectable, très grande, et surtout que moi, je le connais, j'ai voyagé partout dans le pays musulman, ici, je connais beaucoup de musulmans, la majorité totale de musulmans ne sont pas comme les terroristes. La majorité totale, alors il faut venir dénoncer les terroristes, comme moi je ne suis pas terroriste, alors quand quelqu'un il fait des choses à mon nom, je suis obligé de venir dénoncer. Alors toi, tu dis non, c'est ton idée, voilà, pas de problème, mais on va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord avec toi, voilà. C'est bien de noter que Mani il n'est pas pour les manifestations, les contestations des musulmans contre les intégristes musulmans qui massacrent les gens chaque jour. Ça, c'est bien noté. Merci. Merci de passer sur notre antenne et de nous informer de ça. Si vous avez d'autres choses sur d'autres sujets, je vous écoute, M. Mani. Bah, déjà, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors, si vous me faites parler et que vous me coupez le micro pendant 10 minutes et que vous me faites dire ce que j'ai pas dit, on va pas y arriver. Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci, et, monsieur Mani. Et merci de m'avoir éclairé sur les raisons de votre haine contre toute une communauté, finalement. Parce que... voilà, tu as commencé encore. Tu es entré dans le jardin, mon fils. Quelle haine, quel problème, qu'est-ce que tu dis? Ah là 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 là. Quelle haine. Nous dispatchons la lumière dans le monde. Nous sommes les soldats de la lumière contre ignorance, contre imbécilité. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour l'amour. Mais vous n'osez même pas de sortir de chez vous et manifester contre les gens qui massacrent les innocents jour après jour, partout dans le monde entier. Qu'est-ce que vous racontez? Quand même, je te remercie, Mani, embrasse encore une fois ton fils de ma part. Vous avez la parole en composant le 08 et 92 23 95 20, mes chers amis. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant ça Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de FM. Nous avons Cyrus avec nous en première, Farid et Pierre.
Bonsoir Cyrus. Bonsoir. Bonsoir Farid. Bon, je vous appelle. Enfin, merci, attends que je dis bonjour à tout le monde, Cyrus. Cyrus. Après, bonsoir Farid. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Je vous entends très mal. Vous pouvez parler un peu plus fort, monsieur. D'accord, allez-y Cyrus, vous avez la parole, oui, on vous écoute. Oui, en fait, je puisque Cyrus, vous êtes trois personnes sur l'antenne, à chacun, je vais donner deux minutes la parole. C'est-à-dire, je changerai le micro tous les deux minutes. Je vous écoute, Cyrus. Allez-y. D'accord. Merci. Oui. Je voulais parler un peu de Palestine et tous ces problèmes islamiques, un peu ça tourne autour de ça. Peut-être vous pourriez m'enseigner plus, mais en tant que je sais, enfin j'ai lu quelque part avant, il y a longtemps que la Palestine a été achetée par les vendue par les Saoudis Arabie à une somme, je sais pas, à l'époque des millions, des milliards. Il était acheté par les Anglais, les Israéliens en fait. Donc cette terre, il était, même si on ne le considère pas à les Juifs, il était acheté par les Juifs. Donc je vois pas, il était en tant que Saoudi Arabie, il était en tant que le calife d'Islam, il a vendu cette terre. Et personne apparemment n'est courant de ça. Et je voulais dire de plus, en fait, quand j'étais réfugié politique ici, je n'avais pas ma carte et je suis parti en Hollande, Pays-Bas. Et là, j'ai rencontré beaucoup d'Iraniens qui venaient d'Iran. Ils ont fait beaucoup de, ils ont tous fait de l'armée hein, pendant la guerre. Et les gens filmaient des shit un peu partout et j'ai posé la question à quelques-uns, j'ai dit, mais quand vous faisiez la guerre, il n'y avait pas ce truc-là. Comment vous faisiez? Qu'est-ce que tu racontes? Ça coulait à flot, l'opium, la chiche, l'héroïne, il avait tout. Et ça, j'étais choqué parce que un pays qui se bat dans le nom de l'islam, et puis il donne de tous ces saloperies à ce soldat. Et voilà. Merci Cyrus, oui. Reste avec nous. Je vais prendre Farid, et après Pierre, et après je vous donnerai la parole. Merci. Monsieur Farid, bonsoir. Oui, bonsoir David. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, monsieur Farid, merci. Et vous? Vous allez bien, la famille, ça va? Ça va. Merci, on vous écoute. Je viens de prendre l'émission en cours. Bien, écoute, par rapport à l'histoire des musulmans qui devraient manifester dans la rue, je trouve qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. C'est un vrai piège. D'une certaine manière, je crois que tous musulmans, nous sommes plus d'un milliard de musulmans sur la planète, et je crois qu'il y a peut-être 2-3 millions de djihadistes. Et est-ce que 2-3 millions de djihadistes peuvent représenter l'islam, à ton avis? Non, bien sûr, non. Bon, maintenant, il y a un autre problème, parce que c'est un vrai piège. Est-ce que tu as remarqué que dans cette région du Proche et Moyen-Orient, il y a, comment on appelle ça, il y a une espèce de complicité entre Israël, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, contre tous les autres pays musulmans? Tu n'as pas remarqué ça? Non, ça c'est... L'Arabie Saoudite, attends, laisse-moi. Arabie Saoudite, je suis d'accord. L'Arabie Saoudite, les États-Unis, et peut-être quelques Européens, les gouvernants, je ne parle pas des peuples, hein, font du commerce avec des pays qui ne respectent pas du tout le vrai islam, puisque ce sont des gens corrompus qui dépensent leur pétrodollar dans des pays occidentaux, alors qu'ils pourraient aider les Palestiniens qui sont dans la misère, ou des pays en Afrique, chez les musulmans. Ils reçoivent des milliards, non pas seulement par le pétrole, mais aussi par le pèlerinage. Et les Américains sont leurs protecteurs et Israël leurs complices. Tu ne crois pas qu'il y a un jeu qui est pourri dans cette affaire? Donc le fait d'aller manifester dans la rue, c'est donner raison à ce piège.
Merci Farid, reste avec nous puisque deux minutes, et comme je dis, je vais vous donner chacun deux minutes, je reviens encore vers toi après que je donne deux minutes, si tu veux bien, à Pierre. Pierre, bonsoir. Oui, au premier auditeur qui a dit que les Juifs achetaient la Palestine, ils ont acheté une partie des terres, hein, pas toutes les terres, hein. Je ne sais pas quelle proportion exactement, mais une partie seulement. Hein. Ils ont, au moment où ils n'avaient pas toutes les terres achetées par eux. Hein. Les Palestiniens, si les pays arabes et les Palestiniens avaient accepté le partage, il y aurait eu un État juif, qu'on aurait dit juif, un État palestinien en Judée-Samarie, arabo-arabe, enfin bon, christiano-musulman, si on veut, musulman-christiano, il y aurait des chrétiens et musulmans en Judée-Samarie, il y avait une petite minorité chrétienne en Israël. Et il y avait environ il y avait environ 600 000 juifs à peu près, et après autant d'arabes dans les frontières de 47 du vote de l'ONU. Si les pays arabes et les Palestiniens avaient effectivement partage, il y aurait un État en réalité binational, l'État juif aurait été binational. Il y aurait évidemment une forte immigration juive, probablement, pas qu'il y aurait plusieurs balances côté des juifs. Il y aurait quand même une très forte minorité arabe, probablement. Et c'était quand même en quelque sorte un pays binational, comme le Canada, qui a un tiers de français et deux tiers d'anglais, grosso modo, au Canada, et ainsi de suite. Donc je veux dire, c'est ce qui a foutu les choses différemment, ce qui a mis les choses différemment, c'est le refus palestinien et arabe de l'existence d'Israël, qui a entraîné une guerre, qui a entraîné l'exode des Palestiniens. Il y avait un refus palestinien avant que les Palestiniens et les Arabes ne refusent la création d'Israël. Voilà, je voulais dire ça. Maintenant, je vais passer aux choses aussi rapidement, si j'ai encore le temps. Oui, tu restes avec nous. Je veux revenir vers toi, mais deux minutes pour Cyrus, que tu viens de leur répondre. Et après, je vais prendre Farid. Cyrus, vous avez entendu l'explication de Pierre pour vous? En fait, j'entends pas très bien. Voilà, il a bien précisé que c'est vrai, une partie des terres en Palestine qui est devenue Israël, c'était acheté par les Juifs, et comme on achetait, mais pas la totalité. C'est-à-dire, si tu trouves l'accord entre Laurence d'Arabie avec l'Arabie Saoudite au moment qu'ils ont partagé et donné la Palestine au qui, je ne sais pas quoi, ça va être bien. Parce que je vois que Pierre n'est pas au courant de ça. On vous écoute, Monsieur Cyrus. Oui. Je ne sais pas le détail. Ce que je savais, c'était ça. Mais après, je voulais ajouter un problème de bicyclette là, qu'on a parlé. En fait, vous avez raison. Les gens pourraient se déplacer en bicyclette et les batteries. Si il est aujourd'hui, c'est toujours des questions d'argent. Sinon, il pourrait fabriquer une sorte de batterie qui sera chaque fois renforcée par le dynamisme de, vous savez, les bicyclettes lui-même, c'est-à-dire comme les batteries. Il y a exact. Il y a les dynamiques pour l'éclairage, on pourrait mettre un autre pour les recharger la batterie. Donc ce sera complètement autonome. Ce ne sera plus la peine d'être rechargé. Et pour le problème de l'eau, je pensais par exemple, j'ai vu quelque part en Chine, des anciens, ils faisaient ça. Il suffit de trouver des terres de faire de façon comme l'escalier, comme une pyramide, en montant tout en haut, on installe quelques arbres, une vingtaine, trentaine, et les rosées du matin, hein, ça crée une sorte de courant de l'eau le matin et ça peut alimenter une centaine, une vingtaine de personnes. Donc. Merci Cyrus. Cyrus, merci, reste avec nous. Deux minutes, je vais donner à Farid, après on revient vers vous, après que je donnerai deux minutes à Pierre. Monsieur Farid ? Farid, il est parti ? Farid ? Ah, Farid, il est parti. Ok, merci Farid, il est parti, il a laissé la place aux autres. Pierre, vous êtes là, Pierre ?
Oui, oui. Pierre, tu sais, avant de parler dans deux minutes, je voulais répondre à M. Farid qui est parti. Vous savez, c'est David Abbasi qui a dit plusieurs fois, j'ai dit, actuellement, certains problèmes, comme vous voyez, c'est un problème qui est financé par un pays. Après, d'autres pays, pas officiellement peut-être les pays, les compagnies, ils ont vendu leur... logistique, on peut dire. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite, il a misé pour créer les mouvements terroristes comme Al-Qaïda, comme Taliban, comme Daesh et tout ça. C'est l'argent qui a été misé par eux. Après, pour créer les mouvements, c'était les gens comme Ben Laden, et comme Abu Bakr Baghdadi, et ces gens-là qui avaient des relations avec les Américains, avec les instruments et technologies israéliennes. Et s'ils ont acheté les technologies de n'importe quel pays, ce n'est pas que l'État était dans le coup. Les technologies, vous achetez le portable, l'iPad, je ne sais pas quoi, même acheter des armements, vous savez qu'on peut acheter par tiers. Mais c'est vrai que les services américains étaient derrière le coup, c'est-à-dire le CIA, d'autant même Robert Baer lui-même, il m'a dit, même Mme Hillary Clinton, elle a dit, les Américains, c'est leur service qui était derrière le coup. Mais par contre, quand il y a des banques, par exemple, des forces de finance qui soutiennent certains pays terroristes en blanchissement de l'argent, en créant des offshore en dehors de la France, comme l'histoire de Panama Papers. Panama Papers, environ 1000 sociétés offshore s'est été créées et la plupart de ces sociétés-là, ils collaboraient, ils blanchissaient l'argent, ils travaillaient pour 4 pays terroristes, Soudan, Liban, l'Iran et d'autres pays. C'était 4 pays qui étaient reconnus par la communauté internationale à l'époque comme des pays terroristes et Société Générale, il avait créé des offshore, sociétés offshore à Panama. Et ils blanchissaient l'argent et ils finançaient, c'est-à-dire le finance de certains instruments et armements, même dans les guerres qu'on a fait contre Israël, et Hezbollah il a fait, c'était financé par ça. Alors ça, on ne peut pas dire que le gouvernement français était dans le coup, parce que même Hollande, qui était à l'époque président de la République, lui-même, il a dit, concernant le Panama Papers, il voulait faire des choses, concernant le finance, il a dit que mon ennemi, patati, mais c'est vrai qu'il n'a rien fait. Mais si c'est une banque assez forte était dans le coup, comme Société Générale, ça ne veut pas dire que l'État français était dedans. Mais c'est la même chose pour Israël, et c'est la même chose pour les Américains, c'est autre chose, parce que Obama, quand il est venu, c'est lui-même qui a commencé à écraser Daesh. Mais après, Trump, il vient, c'est les républicains, c'est un autre politique, un autre, etc., etc. C'est-à-dire ce que M. Farid, il a dit. Alors, moi, je suis d'accord avec une partie, mais voilà, c'est mon explication. M. Pierre, pardon, on vous écoute. Oui, c'est pour dire que même Israël n'est pas tout à fait blanc dans l'histoire du financement du terrorisme. Parce que le Hamas, en les 80, essentiellement, a été soutenu par Israël, financièrement, probablement, et à d'autres points de vue aussi, parce qu'Israël voulait contrer l'OLP à l'époque. L'OLP, c'est le grand ennemi d'Israël, et Israël pensait faire un contrepoids avec le Hamas. Après, ça a changé, évidemment. Le Hamas, je ne sais pas si les assassins de Hamas étaient déjà dictés et tout, mais l'assassinat du Hamas, c'est un désastre. Hein. C'est un désastre. L'OLP déjà avait comparé les Israéliens aux nazis dans leur charte et tout, je veux dire, c'est pas décent quoi. Enfin bon, ceci dit, j'aimerais quand même signaler que déjà la l'OLP n'a toujours pas été abolie, hein, il faut que deux tiers des parlementaires palestiniens de l'OLP ou je sais pas quoi de vote contre pour votre abolition de la charte pour qu'elle soit abolie, c'est pas encore abolie. Bon. Pas que c'est caduque, mais officiellement c'est pas aboli. J'aimerais intervenir aussi pour dire que quand on a malheureusement les pays musulmans, on a soit une dictature, soit des républiques islamistes ou des états islamistes. Quand on donne le droit de vote dans les pays arabes ou musulmans, souvent ils votent pour les pays les régimes et les partis islamistes, enfin musulmans en tout cas. Donc là c'est un problème. Le seul pays arabe qui est pas trop mal tourné au point de vue du printemps arabe, il y a eu plusieurs pays qui ont tourné le printemps arabe, il y a la Tunisie, quand c'est pas la Tunisie, l'Égypte, l'Irak aussi, après je crois, quand c'est tourné en Irak exactement, les pays c'est pas exactement pareil, je crois.
Enfin bon, toujours est-il qu'il y a en Tunisie, c'est un peu trop mal tourné. En Iran, en Égypte, c'est carrément une dictature. On l'a vu à la télé, aux informations, là, aujourd'hui. Ça a redonné une dictature. Merci Pierre, tu restes avec nous Pierre, puisque Farid il était parti, c'était le tour de Farid qui n'était pas là. Sirius, je vais vous prendre tout de suite après Gabriel. On va donner la parole à Gabriel. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Monsieur Abassi. Bonsoir. Ce que je voudrais dire, je suis surpris que d'autres auditeurs éventuellement n'interviennent pas dans ce sens. En tout cas, moi j'étais extrêmement surpris à l'écoute du document que vous avez passé tout à l'heure, parce que je ne sais pas si on peut taxer ça de document de propagande, mais en tout cas, c'était clairement, nettement et massivement anti-arabe et anti-musulman. Anti-musulman sans faire de différence entre les gentils, entre guillemets, musulmans, ou les méchants, entre guillemets, musulmans, c'était tout à fait globalisant. Donc je me serais plutôt attendu éventuellement à entendre cela sur Radio Courtoisie, par exemple, qui est très proche. Gabriel. Oui. Alors, avant de parler comme ça en l'air, vous citez... Je ne parle pas en l'air, monsieur. Je suis en train de dire des choses qui me paraissent objectives. Vous permettez ? Lui, il vient de parler de certains contrats avec les dates, les accords signés avec les dates et les endroits. C'est un document qui existe même sur l'Internet et tout ce qu'il a dit, vous pouvez le vérifier. Ce que vous dites, ce n'est pas vrai, ce n'est pas antiqui ou antiqui, non. C'était des accords qui étaient pris en 1973, en 1975, et c'était signé par certains. Après les accords, il y avait des projets qui n'avaient aucun rapport avec le pays de l'Occident, c'était les pays arabo-musulmans, qui ont fait certains projets, et ces projets-là, ils ont mis en marche, et lui, il vous donne l'adresse, les dates, c'est pour ça que, cher monsieur, cher ami, avec tout le respect que je vous ai, j'ai pour vous, je vous dis, et que ça, c'était un document solide. Alors maintenant, selon les documents et les propos prononcés, si vous avez des choses à dire, vous notez, vous écrivez, vous lisez comme lui, et je reviens vers vous dans quelques minutes, une fois que je donne la parole à Cyrus et à Pierre. Puisque comme je vous ai dit, puisque vous êtes trois sous l'antenne, chaque personne 2 minutes, je reviens vers vous encore et vous aurez la parole. Cyrus, on vous écoute. Cyrus, si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Cyrus, il est très faible la voix, et votre voix, il est très très faible. Prenez le combiné devant votre bouche, s'il vous plaît, et parlez un peu plus fort. Merci. Il est très faible. Allez-y, parlez. Oui, je voulais dire, ceux qui se battent au nom de Dieu et tout ça, c'est une sorte, ce n'est qu'une, d'être accro à une drogue quelconque, c'est la même chose. C'est d'être possédé par cette chose, et ils se battent au nom de cette... ils sont sous l'influence de cette drogue. Ils ne savent même pas qu'est-ce que le sens, la liberté ou l'humanité ou quoi qu'il soit. À la fin, je voulais ajouter aussi que connaître son faiblesse devient fort, celui qui connaît ses faiblesses. Merci Cyrus, merci beaucoup. Pierre, vous avez la parole. Pierre, est-ce que tu as écouté le document qu'on a diffusé? Pierre? Oui, allô? Oui, oui. Cyrus, il est parti, vous avez la parole. Pierre, est-ce que tu as écouté le document qu'on vient de diffuser? Non, j'étais pas là. Ah, ok, c'est pas grave. D'accord. Non, c'est ton tour de 2 minutes avant de prendre l'autre. Oui, d'accord. J'aimerais dire au sujet de problèmes dans les banlieues, je ne suis pas du tout dans un quartier de banlieue grave et tout, je suis dans un quartier plutôt calme et tout, mais j'aimerais dire que d'après ce que j'ai compris, quand il y a eu le soulèvement des banlieues
Sarkozy, qui était ministre à l'époque, ils ont brûlé telle voiture et tout. Elle dit que c'était un coup de mafia dans les banlieues qui organisait tout ça, soulevant des banlieues. J'aimerais dire, si c'est vraiment ce que pense le gouvernement, il faut d'abord lutter contre les mafias pour le problème des banlieues, peut-être. Et les mafias, il y a un moyen efficace de lutter contre elles, c'est faire des lois pour. D'abord, doubler la peine pour les mafieux. Quand c'est un truand, il a 2 ans, le mafieux a 4 ans de prison. Doubler les peines financières, 200 000 euros, 400 000 euros, quand on est un truand ou mafieux. Les repentis de la mafia n'ont qu'une simple peine, pour inciter à quitter la mafia, aider la police et tout, et vivre honnêtement par la suite de préférence. Dans le pire des cas, ils deviennent simplement des simples truands au lieu de devenir d'être mafieux. Dans le meilleur des cas, ils deviennent des honnêtes gens. Et j'aimerais dire aussi qu'il faut que le gouvernement cesse de servir des mafias, parce qu'à un côté, il lutte contre les mafias, de l'autre côté, il les utilise dans les services d'enseignement français et dans tous les pays du monde, probablement dans beaucoup de pays, on se sert des mafias, les services d'enseignement du pays servent des mafias locales pour les aider à lutter contre dans la lutte contre l'enseignement. Alors il faut que les États français et d'autres États donnent l'exemple et qu'ils cessent de servir des services de ces gens-là. Et à mon avis, on va adopter des bons résultats contre la mafia. Il y a aussi une autre bonne idée qu'ont eu les Italiens, c'est de prendre les biens des mafieux. Carrément, on leur prend leurs biens, leurs sociétés, leurs biens immobiliers, tout ça, une fois qu'ils sont condamnés. Et à mon avis, c'est très efficace, hein, parce que ça fait mal où ils ont le plus, le plus mal, ça les frappe au portefeuille, en fait. S'ils font tout ça, faut pas trop se leurrer, c'est avant tout pour une question d'argent. Hein. Ils veulent une vie facile, gagner facilement l'argent, être riche et tout, faire beaucoup d'argent, le mériter vraiment, sans avoir fait ce qu'il faut pour le mériter, réellement. À mon avis, c'est qu'on fait ça dans d'autres pays d'Europe, du monde et tout, et un peu partout, c'est trop la loi. Du moment qu'il y a un problème mafieux, pas repenti à simple peine, que se passe de l'aide des mafieux, et que enfin on prend leurs biens quand ils sont condamnés à des peines de prison. À mon avis, on aura de bons résultats contre les mafias du monde. Maintenant, à mon avis, si on ne veut pas répondre à ça, parce que faire de la mafia, je n'empêche pas de pas répondre. Hein. Merci Pierre. Gabriel, c'est maintenant le tour de Gabriel. Monsieur Gabriel, vous avez la parole. On vous écoute. Gabriel est parti. Alors, si tu as d'autres choses à nous dire, et sinon, vous pouvez nous appeler. Mes chers amis, vous avez encore la parole et le temps d'intervenir. 08 92 23 95 20, surtout au sujet de reportage qu'on vient de diffuser. Et il nous a donné les dates et le contrôle, les actes bien précis. C'est accessible sur l'Internet. Vous pouvez aller vérifier les sources et tout est bien. Les paroles, les contrats, les accords. Écoutez, tout est programmé dans ce monde. Vous pensez que c'est comme ça qu'on vient... Oh là là, je ne veux pas entrer dans l'histoire, mais n'oubliez pas, il y a du business plan pour tout, c'est-à-dire tout est programmé dans la vie. Ce n'est pas tout un coup que vous avez... Je ne veux pas entrer dans ce débat là. Pierre, qu'est-ce que tu veux dire? Allez-y Pierre, on vous écoute. Oui, j'aimerais dire que si je vais dans les banlieues à sécuriser et tout, les thésaurapés de la République, comme on dit, c'est une corruption qui s'est installée, en grande partie basée sur la vie de drogue, d'autres trafics et tout. Et le meilleur moyen, c'est donc les grandes crises de drogue sont quand des mafias. Je reviens à ce que j'ai dit auparavant. Il faut lutter avant tout contre les mafias de France et du monde. Et on aura bon résultat à beaucoup de points de vue, à mon avis. Parce que les mafias gangrènent la société, vous pas se leurrer. Hein. Et même dans les hôpitaux psychiatriques, j'ai été en hôpital psychiatrique, c'est en grande partie des employés de la mafia qui sont infirmiers ou médecins ou quoi. Hein. Les infirmiers de Gustaglem Angloise, les infirmiers du pavillon où j'étais, qui était le pavillon de Collier, d'autres pavillons aussi, j'étais, à Célie aussi. C'est les infirmiers ont des voitures qui sont pas du tout d'un niveau de vie. Hein. Comment ils ont pu se faire de telles voitures, on se demande. Enfin voilà, le DSO va le savoir, d'ailleurs, il doit être au courant, mais il ne veut pas plus affoler la population, il ne veut pas que ça ne se sache pas, moins on dira, mieux ça vaudra. Donc, en fait, voilà. En fait, un peu de la mafia, c'est un autre statut que les mafieux pur jus. Ils sont devenus moindres, ils gagnent moins d'argent, ils prennent moins de risques probablement aussi, et on les recrute par les infirmiers, les médecins,
les policiers, les hommes de droit et tout ça. Et tout ça, ça fait, ça tisse un tissu qui aide les mafieux à faire leur boulot et pas être pris. Voilà. Merci Pierre. On va prendre Gabriel. Il vient d'arriver. Gabriel, rebonsoir. Vous êtes là ? Rebonsoir, monsieur Abassi. Merci. Bonsoir, Mouloud. Vous êtes là, Mouloud ? Mouloud ? Allô ? Oui, Mouloud. Bonsoir, Mouloud. Restez là. Après deux minutes, on va venir vers vous. Monsieur Gabriel, on vous écoute. Rebonsoir. Rebonsoir, monsieur. Monsieur Abassi, on m'entend ? Oui, c'est bien, monsieur. Eh ben, merci, c'est très gentil. J'étais malencontreusement coupé tout à l'heure. Ah oui, je vous ai appelé, vous n'étiez pas là. Reparler. Allez-y, donc, je termine mon intervention. Bien je sûr, reviens brièvement sur le document que vous avez diffusé tout à l'heure, sans aucun préambule. J'aurais trouvé vraiment intéressant de le présenter, de donner des sources, c'est-à-dire de savoir où c'était pris sur Internet, de savoir aussi quels étaient les protagonistes qui s'exprimaient. Voilà, j'aurais trouvé aussi vraiment utile que vous fassiez un commentaire, parce que j'aimerais bien savoir si vous vous portez caution, c'est-à-dire si vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit dans ce document, racoleur à mon avis, et s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord et d'autres avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Pour ce qui me concerne, en tout cas, vous demandiez des précisions tout à l'heure. Moi, je ne suis pas du tout expert en la matière. Mais quand j'entends parler de l'OCI, par exemple, j'aimerais bien avoir des informations précises et sourcées à ce sujet. Quand j'entends dire que les Européens ont fait venir des immigrés en France pour des raisons de dumping salarial, ça je veux bien le croire, mais pour ce qui est d'un chantage que des pays arabes auraient fait en exigeant ceci et cela quant à l'implantation de leurs ressortissants, tout ça demanderait pour le moins un commentaire et en tout cas votre avis. Le document là était à charge complètement et vraiment je le regrette infiniment, j'ai trouvé ça grossier. Je vous remercie, je vous dis au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Mouloud, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors moi, je voudrais réagir sur le document que vous avez passé. Alors, je ne l'ai pas pris depuis le début, mais j'ai écouté une bonne partie. Oui, en fait, c'est du cours classique, le truc qu'on nous rabâche depuis 50 ans, on a tous compris ça, et tout le monde de la vie a dit qu'il y a assez d'arabes et musulmans en France. Aujourd'hui, les musulmans... Les Français d'origine maghrébine le reconnaissent d'eux-mêmes, tout le monde le sait, que voilà, qu'il y a une islamisation, que l'on ne veuille pas de la France, etc. Mais de là à nous dire que les pays arabes ont mis la pression aux pays européens pour faire accepter des ressortissants et qu'on leur impose des mosquées, c'est le discours de la lâcheté. Et c'est le discours voilà, pour éviter les vrais problèmes. Parce que je ne sais pas c'est qui parle dans ce reportage-là, mais c'est bizarre qu'on, par exemple, on ne cite pas, par exemple, une personne qui a joué beaucoup pour l'islam de France, énormément, et qui continue à en jouer, et qui va en jouer beaucoup encore dans l'avenir, s'il est encore dans les sillages politiques, c'est quelqu'un comme Jacques Attali. Je rappelle Jacques Attali, c'est quelqu'un qui a conseillé tous les présidents de la République française. Hein, et dans son rapport de... par lequel il a été mandaté par Sarkozy dans les années 2010, sous le mandat de Sarkozy, son rapport pour relancer l'économie. Alors, une de ses mesures, c'était la relance de l'économie par la relance de l'immigration. Il prévoyait, alors il avait suggéré pour les années 2020, que la France devait importer, je crois, 20 millions d'immigrés sur 3 ans ou 5 ans. C'est ce qui est énorme. Avec déjà ce qu'il y a déjà en France, c'est énorme. Et c'est pas pour rien qu'il dit ça. Hein. Pourquoi ces personnes-là ne parlent pas de Jacques Attali, hein. Les effets, oui, c'est d'accord, on est tous d'accord, etc. Mais il faut aller jusqu'au creux. Et ça, c'est intéressant. Et là, il faudra souligner. Hein. Et là, c'est là qu'on voit la lâcheté des gens. Hein. Parce que quand on remet en cause l'islam, l'islamisation de France, ok, moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème.
chacun son point de vue, hein. Qu'on a du courage et qu'on va encore au du cocos, hein, et qu'on reste pas dans la lâcheté du politiquement correct et du blabla et qu'on entend, etc. C'est facile, tout le monde peut le faire, hein. Mais très peu vont remonter du cocos. Et là, ça commence à devenir intéressant. Pourquoi une islamisation? Pourquoi certaines personnes en France souhaitent qu'il y ait une islamisation en France, hein? Et c'est pas les musulmans qui vont vous dire, hein. Eux, on les a ramenés, ils sont là, puis voilà, ils croient que c'est dans un plan divin, etc., mandaté par je sais pas qui. Voilà, ça c'est faux, hein. Et dans un discours sérieux, on remonte aux causes. Et le seul qui a eu le courage en France de l'avoir fait ces dernières décennies, pour moi, c'est Jean-Marie Le Pen. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Au revoir. Merci, Mouloud. Au revoir. Alors, déjà. Pour répondre à monsieur de tout à l'heure, ici, je suis responsable de mes propos, mes paroles. Quand on diffuse quelque chose, l'individu, il donne ses documents, ses preuves, c'est lui qui est responsable. Et en plus, il a bien précisé l'adresse et je vous invite, moi. Vous voulez que moi, je vais aller travailler pour vous, monsieur, que vous ordonnez que moi, je vais aller travailler pour vous, non. Je vous donne le travail, vous allez faire des recherches selon les adresses qu'il vous a données, et la semaine prochaine, vous revenez avec grand plaisir, vous avez la parole, et vous pouvez vous exprimer. Alors, il vous a donné déjà le site internet ICECO, c'est www, I comme Italie. S comme Sylvie, E comme étoile, S comme Sylvie, C comme cinéma, O comme Oscar, .org. Vous allez sur cette site, ça, comme il vient de vous dire, c'est le site, ça veut dire Islamic Educative Service and Cultural Organization. Exactement ce qu'il vous a dit. Sur le site, vous allez voir plein de photos de tout ce qu'il a dit, plein de documentation, plein de choses que vous savez pas, que vous êtes assis chez vous, et sûrement vos arguments, il est bien, vous parlez très très bien, je vous respecte, mais quand on vous donne l'adresse, même si vous n'utilisez pas l'internet, vous devez l'utiliser actuellement, allez dans un cybercafé, vous donnez ça, il va vous donner, vous offrir, et vous allez voir tout ce qu'il a dit. En plus, plus de ce qu'il n'a pas dit, vous allez trouver dedans. Monsieur, c'est-à-dire les accords que les pays arabo-musulmans, ils ont fait depuis des années et qu'ils sont en train de le faire, leur projet, leur programme, etc., etc. Voilà, vous pouvez aller, je vous ai donné l'adresse, et vous pouvez aller vous-même découvrir toutes et tous sur ce site, mais c'est vrai, ça ne plaît pas, cette organisation mondiale internationale qui représente presque tous les pays musulmans, et moi que je viens de le diffuser, et moi que je viens de vous donner encore une nouvelle que vous n'avez jamais entendue. Et bien sûr, il y a des contestations, bien sûr, il y aura des cinémas, ça sans aucun doute. Mais je vous ai donné l'adresse, mes chers amis, avec grand respect que j'ai pour vous toutes et tous, puisque je sais que vous êtes des hommes sages, vous n'êtes pas le Dieu non plus, parce que même le Dieu, qui connaît tout. Dès qu'on vous donne des adresses, vous allez pendant une semaine, je vous invite une semaine, d'aller étudier le site que je viens de vous donner. Il est en français, il est en arabe et il est en anglais. Une semaine, vous allez étudier, lire la totalité de ce site que je vous ai dit. Après, vous-même, vous venez en parler sur cette antenne avec grand plaisir. I comme Italie, S comme Sylvie, E comme étoile, S comme Sylvie, C comme cinéma, O comme Oscar, .org. Voilà. Mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM et comme vous savez, vous avez la parole. Encore quelques minutes, on va vous dire au revoir dans quelques minutes. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Je veux vous remercier toutes et tous, mes chers amis. Vous avez la parole, on vous respecte, on vous aime toutes et tous. Mais n'oubliez pas, dans la vie, le plus important des choses, c'est quoi ? Ce qu'on ne dit pas, qu'on connaît tout. Et que tout ce qu'on dit, qui est contre nos idées, qui est contre nos pensées, qui est contre nos philosophies, qui est contre nos dogmes, alors c'est des mensonges. C'est du coup, c'est des paroles montées. Non, monsieur, madame, monsieur. Allez-y en Inde, vous allez voir des milliers de sectes avec des idées, avec des fidèles. Et chacun, il pense que c'est lui qui a la vérité. Et même partout, plusieurs religions, plusieurs philosophies, plusieurs écoles de pensée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le monde ne sont pas des sandwichs, qu'ils pensent pareil, qu'ils soient éduqués pareil. Vous êtes très intelligent, j'admire votre intelligence. Pour la plupart des fois, quand je vous écoute sur cette antenne, n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, je suis ravi de voir qu'il existe encore des gens comme nous, parce que moi, vous savez, les gens comme nous qui travaillent gratuitement pour vous, on vient ici gratuitement pour vous, on travaille. Les gens comme nous, un jour, quelqu'un il m'a dit, si bien pour aller le mettre dans le musée, parce que ça n'existe plus. Mais vous, vous aussi, vous existez. Je sais que pour nous parler de vous, vous êtes comme ça. Vous êtes des gens engagés en faveur de la liberté, égalité, fraternité, en faveur de la vérité, de la justice. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens en regardant comment il est habillé, en regardant comment il pense. S'il ne pense pas comme toi, il faut aller chercher. Peut-être la vérité qu'il a, c'est différent avec la tienne, mon ami. L'histoire de ce soir, c'est très simple. Vous n'avez même pas à aller chercher sur l'internet le site qu'il a donné et tout de suite vous dites que c'est patati patata. Ça, ce n'est pas dans votre qualité d'intelligence que je vous connais. Il faut aller faire des recherches. Maintenant, vous êtes n'importe où, vous donnez votre nom, la personne il fait des recherches tout de suite. Tac, 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 il tape sur son ordinateur pour voir David Abassi, c'est qui ? Tac. Et après, l'attitude qu'il va avoir avec vous, c'est par rapport à ce qu'il a appris. Alors, quelqu'un, il vient de parler avec les éléments, il donne la date, et tout ça, c'est très intéressant. Bon, mais on ne va pas le juger. Mais seulement, je vous ai ouvert une porte, un grand portail, d'aller et vous informer. Les informations seulement, ce n'est pas ce que vous avez dans votre tête. En ne pas regardant la télé, ne pas écoutant les radios, écoutant seulement deux ou trois radios de temps en temps, ne pas lire que certains livres. Le monde est en train de changer jour après jour. Et tout est programmé. Personne ne peut pas venir ici devenir célèbre, connu, filtré, comme ça. Il n'y a pas de chance comme vous. Il y en a la chance, mais 100% de chance, il n'y en a pas. La chance aussi, de temps en temps, ce sont les gens qui vous donnent. On dit le Dieu, mais le Dieu, il le fait par l'intermédiaire des gens. Il faut les gens qui vous font avancer, qui vous donnent votre chance. Il faut travailler aussi. Il faut travailler. Pour n'importe quoi. On vous donne une information. Avant de juger les gens, avant d'insulter les gens, on va aller faire des recherches. Par exemple, un ami, je le connais depuis des années, c'est un grand responsable politique, quelqu'un de très intéressant, défendeur des droits de l'homme.
Il s'appelle Dr Mehdi Khazali. Lui, Dr Mehdi Khazali, était la première personne à l'époque, il a dénoncé Ahmadinejad, que vous le connaissez toutes et tous. Je sais que vous êtes une grande partie fidèle d'Ahmadinejad, hein? Ça je le sais. Je sais en même temps que vous êtes une grande partie contre Ahmadinejad. Alors les gens qui sont fidèles, qui ne le connaissent pas, seulement ils ont entendu quelques slogans qu'il avait contre Israël, comme quoi il faut détruire l'Israël, tout ça, patati patata. Pour ça, ils sont devenus fidèles d'Ahmadinejad. Mais enfin, Dr Mehdi Khazali, son père était cinquième ayatollah, cinquième pouvoir d'Iran. Et lui aussi, il avait beaucoup de pouvoir. Mais depuis 10-15 ans, une fois qu'il a appris certaines choses, ce que je viens de vous dire ce soir, on a dit certaines choses, lui, il est allé faire des recherches et s'informer de plus et tout ça. Après, il est devenu contre le régime. Il a commencé à faire des choses et dire des choses. Et pour la première fois même, il a interviewé moi, c'est moi-même que je l'avais interviewé il y a déjà 10 ans. Et il a dit, moi, je suis un médecin, ma femme aussi, et un groupe de médecins ici à Téhéran, nous certifions qu'Ahmadinejad, il est fou. Avec Ahmadinejad, il a fini, il a frappé le guide spirituel. Avec lui, oh, il est fini. Il a frappé la justice iranienne et le parlement iranien qui est géré par deux frères. Deux frères. Il a dit, ces gens-là, ce sont les agents de service de renseignement britanniques qui sont en train de présider la justice et le parlement iranien. Il a dit ça. Et il a montré certains preuves. Écoutez, ça a un rapport avec notre discussion de ce soir. Après quelques mois que lui il a dit ça, qui sont espions, ces gens-là des Britanniques, les Pastaran avaient arrêté la fille du patron de la justice iranienne, Ayatollah Larijani. On a arrêté sa fille, qu'elle s'appelait Zahra Larijani, en train d'espionner en faveur de Grande-Bretagne, que moi j'ai la voix qu'elle-même, elle dit, je donnais ces documents-là aux Britanniques, pas ces documents-là, je donnais ça. Ça fait un bruit. Khazali, Dr Mehdi Khazali, il a dénoncé ça. Il y a déjà quelques mois, mais moi je l'ai diffusé dans mon émission, personne. Et après 3-4 mois, le document officiel est sorti que c'est vrai, cette famille, c'est une famille espion. Mais il règne dans deux grandes forces de pouvoir iranien. Alors, on a arrêté Khazali, Dr Mehdi Khazali, pour la 12e fois, on l'a mis en prison en disant, pourquoi tu as dit ça? Mais il a dit la vérité, c'est quelque chose qui existait, c'était prouvé après moi. On l'avait libéré une fois que c'était prouvé par l'ordre de guide spirituel. Il l'avait viré de prison. Il était libéré. Mais hier soir, à 1h du matin, et moi, l'après-midi, vers 15h, je parlais avec lui par téléphone. Il m'a dit qu'il était dans un jardin en train de se reposer. On a fait un clip, patati patata. 5-6 heures après que moi je parle avec lui, vers minuit, on m'appelle de Téhéran, on dit, on vient d'arrêter Dr Mehdi Khazali, de nouveau ils l'ont mis en prison. C'était prouvé ce qu'il avait dit. La justice non, mais l'armée iranienne avait arrêté la fille de cette patronne de la justice iranienne, qui elle-même, elle dit qu'elle a espionné. Mais on a libéré la fille et on a mis en prison Dr Mehdi Khazali. C'est comme l'histoire que vous avez entendue, le reportage que je vous ai diffusé. Le reportage, il vous donne l'adresse. Mais puisque c'est la force qui règne, qui gouverne dans le monde, cette force, il est protégé. On ne peut pas toucher cette force. En plus, ils sont cachés et protégés. Je suis sûr et certain que si Macron et son gouvernement, qui est jeune, qui est révolutionnaire, il prend connaissance de la totalité de tous ces dossiers-là, il va faire des choses. Il va faire des révolutions, vous allez voir, il va tout changer, puisque ça, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les dinosaures qui existaient en France, et en même temps que les partis politiques, c'est parti en l'air. Vous allez voir, eux aussi, ils vont partir. C'est la jeunesse qui va venir, et tout va changer. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir pour demain. Je suis positif pour demain. Demain, ce ne sera pas comme aujourd'hui, ni comme hier. Mais pour ça, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées qui ne sont pas tellement cachées. Il suffit de taper, maîtriser l'informatique. Si vous ne connaissez pas, allez-y dans un cybercafé, apprenez-le. Après, vous allez voir, vous avez toutes les informations que vous voulez.
Mes chers amis, je vous remercie toutes et tous de votre fidélité. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Qui vous êtes pour ou contre David Abassi? Moi, je vous embrasse toutes et tous. J'ai beaucoup de respect pour l'homme, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle pensée. Et ça, le Dieu, il sait que je dis la vérité. Et tout ce que vous, vous avez dans votre cœur, comme la haine, comme je ne sais pas quoi, vous pensez que David, tatati, tatata, ce sont des blablabla de vous-même, mes chers amis. Alors, vous permettez de vous dire au revoir et bonne soirée, à très bientôt. Merci, au revoir. FM et dans le monde entier par Internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h.